Et je suis Amané Diplo Théophile, le président de l'organisation. Et comme déjà l'heure est beaucoup avancée, on est à 3 heures de la veillée. Et pour, de partout, Iré, Gagnoua, Divola, Kota, on ne fait que nous appeler pour demander si effectivement la veillée aura lieu. Et effectivement, nous leur rendons la confirmation. Parce que depuis hier, et on est sur pied, la cour est déjà nettoyée, les nouvelles chaises sont arrivées. Et la patame est déjà prête, la sonorisation qu'on attend bientôt tout à l'heure. Et pour ce que je voudrais dire, les gens de Gagnoua sont déjà là, Guibert aussi est déjà là. Il y a des gens qui viennent de Sikensi qui viennent à peine d'arriver. Et en tout cas, ça va aller, ça ira très bien tout parce que tout va bien. Et on a prévu quelque chose pour, comme quoi un peu de café hein, pour les gens qui seront vraiment très fatigués pour pouvoir les soulager. Parce que la veille de 21h jusqu'à 10h, hein, on ne peut pas donner une heure exacte. Tant que Dieu va inspirer tout son serviteur, il va toujours travailler. Et donc vraiment, nous encourageons tout le monde, tous ceux qui sont encore dans les véhicules, qu'ils viennent. Mais nous voulons lancer un appel pour dire à nos frères de Zaroko que vraiment, on n'a pas assez de chaises pour notre population. Et pour ceux qui sont déjà de ce village, chacun pouvait se débrouiller pour faire venir son banc ou une chaise. Comme ça, qui pouvait encore nous motiver pour encore plus recevoir nos invités. Vraiment, nous bénissons le nom de Dieu et que Dieu nous garde.